message de détresse. Ah ben, message de détresse d'abord. Alors, une fois arrivé à l'emplacement de l'appel de détresse, un vaisseau civil vous contacte. Merci de répondre à nos appels. Notre navigateur FTL est détraqué et nous ne pouvons plus calculer l'itinéraire pour nous déplacer vers le dépôt le plus proche afin de le réparer. Pourriez-vous nous y guider jusque-là? Bien sûr. Merci pour le scrap. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, je suis pas sûr qu'on y arrive par contre. On va passer par le magasin, on va essayer d'aller le plus vite possible. Ouais, bah non, c'est trop isolé. Non, c'est de la merde. On va passer là, du coup. Tant pis, on a eu du scrap gratos. Bah, combattre, hein. Combattre, téléportation sur les armes, directement. On va attendre que le missile tire. On se met en invisible. Voilà, et normalement on devrait réussir à péter le système d'armement avant que le deuxième missile ne soit tiré. Et en soi, ils vont pas pouvoir nous toucher. Voilà, ça s'est pété. Viens dès là. Avec nos trucs, on peut mettre un petit dégât si tout touche là-dessus. Ouais, évidemment. Ah non, mais ça tire combien? Ça tire 4? Ah, ça tire 5! Oh, c'est pété. C'est pété. Alors, ce truc, c'est que ça se recharge très lentement. Voilà, arme défoncée. On va éviter qu'il meure quand même, mes mecs. Allez, pétez-les les drones là, please, merci. On retourne sur les armes. On tire avec ça sur le bouclier. On va devoir activer ça une fois. Ah non, même pas besoin. On va attendre qu'il se répare. Hein. Ah bah il lui reste 2 PV. Non, bon, ça ils peuvent rentrer. On va éviter qu'il crève. Il n'y a personne qui est mort depuis le début. Et du coup, eux, ils sont maxés en combat. Et c'est cool. Lui, il est maxé au pilotage. Nathan, il est presque... Non, il est pas maxé. Mais en fait, Nathan, il fait rien. Il est aux caméras. Pour ça que ça monte pas. Frédéric, bouclier, il est nul en fait. Attendez, il est où Frédéric? Ah non, il est aux armes. Et... J'ai failli oublier. Et pourquoi ça n'a pas tiré automatiquement? Espèce de couillon. Mais bon. Parce que j'ai pas le tir automatique à activer, évidemment. Masse de scrap, c'est cool. Il y a un message de détresse. J'ai le temps de passer là avant. Mais d'abord. Ah, je peux améliorer de 1. Du coup, je vais améliorer ça de 1 aussi. Voilà. Il me manque 1. On passe ici, puis là, puis vers la sortie, je pense. Ouais, on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. S'approcher de la station. Continuer. Téléportation sur les armes. Ah bah tout est lié. D'abord ça d'abord du coup. C'est qui a pris contrôle mental? Ok, c'est pas très grave. On va attendre qu'il tire pour activer le... Se mettre en tir auto. Tirer avec le tir auto sur ça. Ah bah c'est déjà pété. Putain, ils sont rapides. Ça a pas beaucoup de PV ce truc. Ça, on s'en fout. 3 tirs, on s'en fout. Et 2 tirs, mais en fait, il peut pas me toucher. Bon, bah très bien. Allez plutôt sur les boucliers en fait. Non, pétez, finissez de péter ça. Ensuite, vous allez sur les boucliers. Voilà, sur les boucliers. Oh non, contrôle mental, non! Attendez, faut pas que ça s'attire. Voilà, on va juste attendre que le contrôle mental soit... Voilà. Retourne sur le contrôle mental. Tu peux tirer une fois ici. Et il a tout raté. Bravo. Voilà, téléporte back, vite.
Avant que celui-ci tire, parce que là il va pas rater. Il va mettre 2 points de dégâts. Voilà, il reste une fois. Et ça va le faire. Il faudrait qu'on trouve encore un truc qui va nous améliorer notre système, notre réacteur. Donc une troupe en fait, un système de, un message de détresse. Après ça va être chaud de le trouver. Ouais, non, alors là par contre c'est pas cool. J'aimerais bien que tu touches. Un truc détecté encore ? Oh, sérieux ? Touche, laser. En même temps, celui qui est aux armes, il est nul. Non, mais c'est pas lui qui fait la précision. Oh putain, ça rate. Non, c'est bon. On y est. Tous à vos postes. Vous récupérez ce que vous pouvez et vous approchez de la station. Elle est utilisée en tant que relais d'information pour la flotte rebelle. Vous pourriez tenter de la pirater pour donner de fausses informations aux rebelles. Tenter de pirater la station à la main. Ne pas prendre de risque. Quitter la station. Hacking. Utiliser le drone pour pirater la station. Ça utilise une drone part. Et flotte retardée d'un saut. Ah, est-ce que... Peut-être je vais avoir le temps de passer au magasin. Non, j'aurai pas le temps de passer au magasin. Et du coup, là, on a eu le mapping. Donc, on sait que du coup, là, il y a rien. Donc, on va passer ici. J'aurai peut-être même le temps de passer à la quête, tiens. Alors, vous trouvez la source de l'appel de détresse. Une petite station de recherche. Il semble qu'un petit feu de laboratoire soit devenu hors de contrôle et menace de détruire la station. Leur système anti-incendie ne répond pas. Envoyez votre équipage. On veut pas perdre de membres. S'arrimer pour tenter de sauver un survivant. On prend 4 de dégâts. C'est pas très grave. On sera heal de 10. Du coup, nébuleuse. On va voir si on a le temps de passer à la quête, quand même. Ah, le problème, c'est qu'on a que 4 de carburant. Mais... 1, 2, 3, 4. Ça me paraît un peu limite, hein. On va essayer d'en faire au moins un. Alors... Ah, merde. Ah, merde. Ah, j'ai pas vu que c'était pété. Quel couillon. À chaque fois, je me fais avoir. Après, c'est pas dramatique. Ils ont des drones de défense. Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas certain. On va essayer. Hein. Ouais, c'est bon, on va y arriver. C'est juste retardé un tout petit peu. Non, on n'est pas arrivé. Fuck. Allez, hop. À vos postes. Bouclier. On tente d'absorber l'oxygène. Ça passe. Mon laser, ils ont 3 de boucliers. Ah, mais ils ont un bouclier Zoltan, j'avais pas vu. Donc, on va tirer cet égal où on tire. Tire ce bouclier pour essayer de faire des dégâts à lui. Ah, ouais, ils ont une baie de clonage par contre, j'avais pas tilté. Et ils nous ont pété la téléportation. Toi, on va réparer ça. On est bien en tir auto donc c'est bon. Allez, si on pète l'oxygène, on se met bien. Mais ils nous mettent un petit peu cher. Non, ça c'est le drone. Oui, le drone réparateur. Parfait. Maintenant tu vas buter ça. Allez là, please. Putain, j'ai pas vu qu'ils avaient tiré. Non, le drone de réparation, non. Ils ont plus de bouclier Zolt. Ah merde. Ah, c'est pas cool. Moi ça va, ça m'a pas désalimenté. Qui prend cher? C'est lui qui prend cher. Ah, ça va être un peu compliqué. Bon, on va les faire revenir pour les heals. Ah non, mais ils ont encore leur bouclier Zoltan. Merde. Tous à vos postes. Sauf toi qui va les réparer. Et ça rate. Mais c'est sérieux, ils réalimentent leur bouclier Zoltan. Comment ils font ça, eux? J'ai jamais vu ça. Allez, on re-téléporte. Ici. Ah oui, ils réalimentent leur bouclier Zoltan. C'est chaud. Je veux pas que c'était faisable. C'était possible. Ok, il faut qu'on pète la baie de clonage en priorité. L'albarde, c'est bon, elle est chargée. L'avantage, c'est qu'il ne se heal pas. Par contre, ouais, il y a lui qui va essayer de réparer. C'est pas grave, on le pète, voilà. Putain, ça touche jamais, quoi. Voilà, donc ça, c'est pété. Maintenant, lui. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs, pilote. C'est bon, on y est. Et on a perdu personne. Et on a gagné Justin. Justin. Justin Bieber, c'est de la merde. On renvoie Justin. J'aime pas sa gueule. Con d'humain.
On fait revenir nos troupes. Voilà, ils sont méga heal. On a tout qui réparé. On a pris quelques coups, mais c'est pas grave. Et ouais, effectivement, on va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver. Ça, c'est une nébuleuse ou pas? Oui, c'est une nébuleuse. Donc ça va ralentir. Donc on a le temps juste de passer ici. Après, on se tire. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour la quête. Tant pis. Les 157, il faut absolument que je m'améliore. Ok, téléportation immédiate. Au contrôle mental. J'ai 8 drone parts. Ah, ils ont commencé à alimenter. Donc on va focus là-dessus. Contrôle mental, c'est sur lui, c'est pas grave. Hop là, voilà, pour retarder le système. Il faut bien que j'active. Ok, hop, vous allez ici. Quand lui tire, voilà. Ça, c'est des gros missiles qui font masse dégâts. Ça rate. Ah oui, on est à 105% d'esquive, trop bien. On est à plus de 100% d'esquive, donc ça passe. Rayon de laser, toi, viens ici. Toi, là. Pète les armes, magnifique. C'est pas entièrement pété, mais c'est partiellement pété. Toi, tu tires automatiquement sur les boucliers. C'est bon, s'ils ont désactivé ça, donc ça passe. Les armements sont... Ouais. Ah non, contrôle mental mes deux. Bon, c'est bon, il veut réparer le bouclier. Il n'attaque pas, donc c'est bien. Il reste 4 PV, 2 boucliers, donc ils vont pas encore le buter ce tour-ci. Ça, ça va pas encore le buter. Tu vas focus là-dessus. Ça, c'est en train de se réparer. Parfait. Et donc, hop, arrête de tirer. Voilà, et on va attendre qu'ils se détruisent. Point là, point, 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 feu. Bleh. Et c'est la mort. Magnifique. Alors, on a dit qu'on améliorait ça de 1. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Parfait. Du coup, je peux alimenter... Eh oui, par contre, je suis en manque d'énergie. Du coup, on va sous-alimenter la TP pour le moment. Sous-alimenter ça. Voilà, plutôt l'invisibilité. Comme ça, on a l'albarde qui charge aussi. Et je vais améliorer mon système de porte, mon système de caméra. Parce que le reste, de toute façon, pour le moment, ça ne sert à rien vu que j'ai pas d'énergie. Allez, on se casse. J'ai plus, mais comme on arrive dans la dernière, ils vont nous refiler de l'essence, ils vont nous heal de 10. Dernière zone, le dernier combat. Expliquer mission, on s'en connaît, voilà, 9 points de coque réparés et 10 de carburant, merci beaucoup. Alors, nous avons donc pas mal de sauts à faire. Hein. Il faut éviter de faire, faire trop de sauts, la base elle est là. Donc à la limite on va faire ça, ça et ça et on va attendre à la base. En sachant qu'on a une station à porte, ouais je peux venir ici éventuellement, on a la station pour nos wheels. Ouais, on va venir ici. Non, on s'en fout du vaisseau rebelle, ce n'est pas le moment. Hop, on continue. Ici. Ok, là par contre on peut pas le void. On a que 8 drones part, hein, par contre. Il va pas falloir trop qu'on en dépense. Là en soi on a 4 humains. 4 humains, 4 humains, 4 humains. Par contre ils ont des drones. Ah oui, ils ont les drones de défense. Drone de défense antipersonnel, je crois que c'est un truc comme ça que ça s'appelle. On va faire comme ça, on va quand même pirater ça. Non, intrus. Ah oui, bon c'est pas grave. Comment je fais? Comment je fais? On attend que tout soit chargé. Voilà. Alors, on focus d'abord là, d'abord là-dessus. Ok. Ensuite, avec ça, on touche tout ça. Parfait. Faut que je les fasse revenir. Le truc c'est que ce drone là il fait vraiment du dégât. Désactiver le tir auto. Ouais, rentrez. Ne pas mourir. Voilà, détruisez ça. Non, j'ai désactivé le tir auto, j'ai dit. Bon ça va, on a mis du dégât. J'ai encore oublié d'utiliser ça mais c'est pas grave. Ils nous ont raté. Ça, je peux les alimenter. Hop, je voulais alimenter ça, c'est pas grave. Ça va, ils nous ont raté.
C'est presque chargé. Ok. Focus là-dessus, première priorité. Touche au moins. Ouais, tout touche. Et. C'est bon! C'est nettoyé. Parfait. Il y a une brèche par contre. Allez réparer la brèche vite fait. Qu'est-ce qu'on améliore? On a du pognon. Non, on va garder du pognon pour se soigner. Il manque 2 PV là en soi, donc il faudrait quand même qu'on puisse se soigner avant le combat. Même si le premier combat contre le boss final est facile, c'est vraiment le deuxième et surtout le troisième qui chie. Retournez à vos postes. Ouais, non, mais réparez-moi ça par contre. Hop, merci. J'avais même pas vu qu'il manquait ça. Parfait. Et là, bon, ça de toute façon c'est maxé, c'est bien que ce soit maxé. Le reste là, ça sert honnêtement à rien. Du coup, allez. J'attends un tour. So, ça vient là. Voilà, donc du coup, premier combat contre le boss. C'est parti. C'est parti. Alors, dans l'ordre. Je pense qu'on... oui, on va pirater. On va pirater ça. Parce que celui-ci, de toute façon, on va le péter. Hop. Il faudrait réfléchir, mais est-ce qu'on... Au début, il n'y a rien besoin de pirater d'autres en soi. Donc on y va comme ça. Ça, c'est en charge. Ok. Ah, putain, à chaque fois, j'oublie. Et... ouh, ça, c'est pas cool, par contre. Ça, c'est vraiment pas cool. Il va falloir que moi, je mette au bon moment mon... ceci. Ok, 3 tirs ici, c'est pas grave. Alors, active ça, TP ça ici. J'avais pas fait le TP avant. Ok, les 3 rats, c'est parfait. Ok, lui il est mort, c'est cool. Aïe. Oh, ça pique un peu ça. Toi, viens ici. Ouais, bouclier. Non, non, bouclier, bouclier, bouclier. Aïe, aïe, l'eau 2. Faut réparer l'oxygène. Toi, va réparer l'oxygène. Toi, tu sers plus à rien en soi. Si, tu sers, parce qu'il n'y a pas le piratage actif. Ok, vous deux, vous rentrez. Voilà. Dès que vous pouvez, vous repartez. On va commencer à pouvoir activer l'invisibilité, vu que celui-ci, de toute façon, est désactivé. C'est lequel qui est dangereux maintenant? C'est celui-ci, c'est le beam. Il faut qu'on pète le beam. Toi, va ici. Toi, va ici pendant que c'est en train de recharger ma TP. L'oxygène, elle en est à quoi? Ah putain, elle est au début de la réparation. Hé, hey, les animaux! Arrêtez! Non. Si, non, restez là pour la réparation. Ok, c'est réparé. Et le beam qui va tirer. C'est bon, s'il tire maintenant, voilà, c'est pas grave du tout parce qu'il peut pas nous toucher. On a des boucliers. Donc ça passe. Nickel, on fait revenir eux. Ils ont 4 boucliers. Ouais, c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, j'oublie. Il faut absolument que j'y pense. Plus le bouclier. Ah, coque 75% par contre. Hein. On va viser. Faut que je touche le plus de salles possible. On va toucher 4 salles ici. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. D'autant que ça se recharge. Et ils ont plus que 2 armes en soi. Donc ils peuvent plus nous toucher normalement. Si, ils auraient pu. J'ai rien dit. Allez, on les jump ici. Voilà, en fait, la seule chose qu'il faut encore espérer, c'est que les ennemis ne se déplacent pas sur la station. S'ils se déplacent pas sur la station, on peut se heal. S'ils se déplacent sur la station, c'est un peu plus la merde. On vise ça. On focus comme ça pour mettre des dégâts. Ouh, 2 PV. Du coup, ouais. On va attendre que eux défoncent ça. Ça mettra un dégât.
et après on va les TP back pour éviter qu'ils meurent. Voilà, on les TP back. Maintenant c'est dernier coup de ça et ça va passer. Je peux pas le désalimenter malheureusement. Ah tiens, pendant ce temps là vous allez réparer ça. C'est bon, toutes mes armes sont chargées. Et c'est gagné. Enfin c'est gagné. Premier combat contre le boss, c'est gagné. Hop, il se téléporte. Parfait. Yes, on a le temps d'aller à la station. Nickel. Du coup on peut se soigner. 8 coques, 8 points de heal réparés. Du coup je viens là. Les rebelles contrôlent cette position, très dangereux. Les rebelles sont en train de prendre le contrôle de cette valise. Ouais, c'est un peu chaud mais on est obligé de passer par là. C'est bien les rebelles. On va essayer d'éviter le plus possible le combat. On va désactiver... Ah mais j'ai 13 drone parts. On va désactiver leurs armes. Il y a de la TP possible. Donc on va ouvrir toutes les salles où il n'y a personne. Toi, viens ici. Ça, j'ouvre ça, 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 ça et ça. Ça, j'ai pas besoin de lui ici, donc on le met là. On ouvre cette porte aussi. Ouais, ils sont bien là. Ils sont bien là, hop, hop. Vous pouvez retourner à votre place. En fait, on attend que le saut soit possible. Attention, un truc détecté. Ok, ouais, il y a le BAV en fait. Voilà, le BAV en fait, c'est hyper dangereux. Ça risque de mettre du dégât sur nos troupes. Donc là, on va pas les TP. On va mettre une unité de plus ici. On va juste attendre que le saut soit prêt. Ah oui, encore un truc qui est arrivé là. Super. Le saut est quasiment prêt. Le saut est quasiment prêt. Saut. Alors, fermez les portes. Et on saute sur le boss. Ok. Alors. Ça. Non, il y a le... Pardon, il y a l'invisibilité dès le début. Non, il n'y a pas l'invisibilité dès le début. Donc toi ici... Toi sur les drones. Ah ouais, par contre nous on a l'invisibilité qui est paradis. Intrus. Intrus, fuck you. Non non c'est pas ces deux là, retournez à vos places. Voilà, du coup c'est lui et lui. Ah ouais mais en plus ouais, ils ont un drone de défense donc je peux pas envoyer malheureusement de drone de piratage. Surveille la vie hein. Surtension. Ah putain. Non non non. On en a un qui est mort. C'est bon. La surtension des drones c'est géré. Il faut que je fasse revenir eux. Mes trucs sont en charge. On va focus là dessus. Touche trop sale mais au moins j'endommage ça. Voilà parfait. Dès que c'est chargé vous pendant que ça charge, allez vous défaire de lui. Voilà, c'est bon. La faille en soi, on s'en fout. Sur tension active. Pourquoi j'ai plus de bouclier alimenté? Aïe, 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 ça va être compliqué. Téléportation ici. Mes armes sont chargées. On focus le beam. Tout qui rate. Ouais là ça sert à rien de tirer avec la hallebarde du coup. On a pris 3 dégâts. Oh putain il y a encore un intrus. Tous... Ah oui lui, bah lui il est revenu. Tout ça au poste. Non sauf toi qui meurs fuck. Con. J'ai fait le tardos. Il faut qu'eux reviennent sur tension. On active. Non ne casse pas mes caméras. Revenez. Hop, vous là, toi, tu vas aller aider à la réparation du bouclier. Important. Bouclier réparé, c'est bon. Sur tension.
Allez, on finit ça pour les renvoyer. Hop. Hop. Mes armes. Ça touche. Est-ce que je peux toucher 4 salles depuis ici? Oui. Voilà, ça met un peu de dégâts. Il n'y a pas de surtension pour le moment. Allez, sauter sur l'arme, le beam. J'ai pris que 3 dégâts, c'est honnêtement c'est très raisonnable. Ouais, la surtension qui arrive, c'est normal. Bon, on reste sur un péter mes caméras, hein, c'est con. Hop. Et vous, ici. Ouais, ils m'ont pété caméra, ça met un point de dégâts. Il est où du coup le robot? Il est là. Armes chargées. J'oublie à chaque fois de charger mes armes, c'est horrible. Sur le bouclier et sur le pilotage. Ouais, ça va pas toucher, ça va mettre 2 points de dégâts je pense. Ouais. On a pété un de bouclier, c'est bien. Surtension. Ouais, réparer les caméras pour que je vois où sont les humains. Oh nice. Allez, plus que 2 PV, ça va le faire. C'est bon. Ouh. Deuxième phase terminée. On a pas mal de PV. En soi, on a tout ce qu'il nous faut. Si ce n'est que eux ne sont pas heal, mais ils vont être heal dès leur premier saut, donc ça va passer. C'est... ouais, ça... ouais, ça va le faire, ça va le faire. Du coup, ça, on a dit qu'on pouvait... est-ce qu'on le mettrait pas pour le prochain? Ouais, on va peut-être l'activer. On va désactiver ça et mettre un de plus ici pour que ça téléporte plus vite. Allez, on saute. C'est parti. Le dernier combat commence. Alors, ils ont un bouclier Zoltan, on s'en bat les couilles. Tu TP ici. Ah, c'est vrai qu'ils ont un contrôle mental. Voilà, en fait, on va pouvoir mettre. Non, il y a le bouclier Zoltan qui bloque. Alors, ok, c'est ici, il y a des intrus. Toi. Aux portes. Allez, faut qu'on pète ça. Invisibilité dès que les missiles tirent. Non, les missiles, on s'en fout. Oui, voilà. Il faudrait juste que la surtension arrive maintenant. Voilà, surtension, vite. Nice. Pile au bon, magnifique. Alors, vous rentrez. Vous allez défoncer eux. Toi, tu viens là. Vous deux, défoncez... non, ici. C'est bon, ils sont morts. Non, merde, il y en a un qui passait. C'est bien un ennemi, hein, ouais. Surtension. Vite, 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 vite. C'est bon, ils m'ont pas touché. Nickel, tous à vos postes. Évite de mourir, capitaine. On va le laisser taper sur le sur l'engine. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Fermez les portes. Et vous téléportez sur les armes. J'ai même mon armement aussi qui est chargé. Bordel, la cuve, j'oublie à chaque fois. Allez, on touche le plus de salles possible. Voilà, on pète le bouclier Zoltan. Partiellement. Et là, ils sont en train de péter ça. Donc ça, c'est cool. Je vais... ah non, je peux toujours pas passer le bouclier Zoltan. Merde, il a pété ça. C'est vraiment pas bien, ça. Toi et toi, allez me réparer ça. Arrête avec le contrôle mental. J'ai pas l'invincibilité qui est dispo. Ouais, faut absolument tout réparer. Je prends un peu cher. Toi. Non, vous, revenez. Vite. Et vous réparez l'oxygène. De suite. Reviens ici. Vous deux ici. Merde, on a perdu le capitaine. Surtension, on active. Ok, vous allez réparer ça. Oh fuck.
pas les boucliers. Ok, réparer la brèche. Toi, tu reviens piloter. Ok, ça a l'air d'être bon. Ici, ça prend combien les boucliers? Ouais, ça prend un petit peu quand même. Revenez ici et vous allez commencer à faire du dégât. Mes armes, bordel à cul. Ouais, donc les Zoltan qui s'est rechargé. Hop, hop, on va le mettre en tir auto. Et vous, évacuation sur. Sur quoi? Sur ceci. Il y a que deux humains en soi. Hein. Sur tension. Ça va, ils mettent un coup. Ou deux. Allez, réparer ça. Toi, tu restes là, on veut pas que tu crèves. C'est bon, il a fini le contrôle mental. C'est en train de réparer. Et les humains qui commencent à prendre cher. C'est nickel, on va péter l'oxygène en fait. On va défoncer l'oxygène. En soi, les humains, faut pas les buter. Sur tension. Les humains, faut pas qu'ils meurent. Parce que s'ils meurent en fait. Quoi? Qui? Oui? Ok, c'est rien grave. Si, c'est un peu chiant. Ok, parfait. Go péter le. Ouais, péter l'oxygène. Non. Ils vont crever. Bon, au pire, ils meurent. On les fait revenir. On va alimenter. Putain, il y a encore le contrôle mental. Alimenter un de moins là-dessus. Un de plus ici. Pour les faire revenir plus vite. Mes armes et le tir. Ils ont pété. Ok, faut que j'arrête le tir automatique. Attention à la surtension. C'est bon. Toi, reviens là. Toi, tu viens là. Ouais, tous à vos postes en soi. Et toi, tu viens là. Non, à vos postes, j'ai dit. Ouais, c'est bon, c'est leur poste. Ok, mes armes sont chargées. Alors, focus, je pense que le contrôle mental est important. Allez, touche, 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 parfait. On touche 3 salles. Est-ce que j'arrive à toucher 4 salles? Ouais. Ah, je suis pas sûr. Ah, j'arriverai pas à toucher 4 salles. Bon, c'est les 3 salles importantes. C'est, enfin, c'est 2 salles importantes sur 3. Nice. Ça, ça pique. Ça pique. Et pendant qu'il répare, allez, toi reviens ici. Et maintenant, pendant qu'il répare, on va aller essayer de finir d'endommager le contrôle mental. Parce que voilà, il y a le contrôle mental qui a été fait. Fais attention à nos armes. Ouais, par contre, là, la surtension, on va la prendre, mais c'est pas grave, on a encore des PV. Oh non, pas le bouclier Zoltan. Allez, pète ça vite. Du coup, j'en mets en tir auto. Ouais, c'est bon, c'est déjà en tir auto. Ok, contrôle mental a été fait. Go les boucliers maintenant. Enfin, on va les empêcher surtout de réparer leur bouclier. Attention à la surtension. Ok, le bouclier Zoltan est pété. Nice, un petit coup ici. Ok, parfait, on va pouvoir péter le bouclier. Surtension détectée, on active tout de suite. Je pense que c'est win les gens. Je pense qu'on est très bien engagé pour que ça gagne. Il y a rien qui touche. Même si lui meurt, c'est vraiment pas grave. Toutes nos armes sont chargées. Focus. Alors on va taper là dessus. Avec un peu de chance on va réussir à le péter. Pas du tout, mais on pète le bouclier au moins. Et là on touche 4 salles. Nice. L'O2 qui est critique, donc c'est parfait. Le bouclier, ils vont réussir à le péter. Pas de tir automatique, on désactive. Défoncer les boucliers. Victory. Oh, 2 games, 2 records de suite, grâce aux vaillants efforts de Croius et de son équipage victorieux Nars, Magne, Fléchi, Nathan, Frédéric, Virus, Cozy et Willow. Le vaisseau amiral rebelle a été détruit, jetant leur flotte dans le chaos et assurant la victoire de la Fédération. C'est une victoire, messieurs, dames. Et c'est 2 victoires de suite, sur 2 games de suite, et c'est pété, c'est nice, c'est vraiment méga nice. Ah, je suis très très content. Je suis très content. Nouveau meilleur score. Félicitations, vous avez vaincu le vaisseau amiral rebelle et assuré la victoire de la Fédération. Nice. Alors, est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Honnêtement, je ne pense pas. On voit qu'on a fait une victoire en facile ici. On n'a rien débloqué. Parce qu'il faut que je réussisse à battre avec le Croiser Slug, qui en soi est très très dur. Mais je suis quand même vachement content. Et vous avez vu à quel point on a galéré. Et pensez qu'on joue en facile. Imaginez comment c'est que de jouer en difficile. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous le savez.
Oui, vous le savez. Et oui, vous en faites encore des cauchemars, absolument. Bon, quoi qu'il en soit, fin de cette partie fort sympathique. Merci à tous de m'avoir suivi sur ces quelques épisodes. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Dites-moi si vous voulez encore du FTL. Moi, je kiffe. Moi, je méga kiffe. Surtout quand ça se passe super bien comme ça. Oui, oui, madame. Pouce vert, commentaire. Je l'ai pas dit sur les autres vidéos, donc un petit rollback sur les autres vidéos et allez mettre pouce vert, commentaire sur les autres vidéos. C'était As2. Bonne journée à tous et à la prochaine. Bye bye.